gentil avec parenté positive. Nous-mêmes, Marlene, c'est un membre de la famille. C'est-à-dire, nous-mêmes, même j'en parle, nous-mêmes, tout nous en deuil. C'est-à-dire, c'est toute famille, que il s'agit de famille proche directement, et nous-mêmes, nous concernés par sa privée avec. Ok? Supporter pour nous, toute famille en pénible. D'accord, merci. Pas de problème. Bonsoir. Ce que c'est pour ma chance d'Haïti, c'est que tout le média est capable d'échanger ensemble avec vous aujourd'hui. Dis-nous donc, à quel sentiment que vous vivez cette situation ça, lorsque je dis, nous avons perdu un étudiant qui était ensemble avec nous. Même dans stage, chaque jour, je mets dans la machine, acheter de l'eau. Je vais boire de l'eau sur l'autre. Si le visage dans le ras de l'autre. Bon. Maintenant, je vais recevoir une nouvelle là. Ça fait vraiment plus. Est-ce que vous avez une idée de, en fait, de la Floa, comme quoi, mis à part de venir ici à la l'école? C'est comme ça. Non, est-ce que comme si là nous parlons les familles pour demander, est-ce que comme si nous parlons les demander comme pour demander bah ça et puis on dit non, il y a pas jamais fait ça jusqu'à samedi. Et puis là me dit les tirons en parler sur l'école là parler. On dit ah si ouais comme si là sinon ouais peut faire tout juste ça ou il y a pas mal de flora comme soit grand bagaille qui rivière bon parce que on pas quoi y a kidnappé un monde comme ça ça ou pas mal de cob ça ou pas. Et puis vraiment, vraiment, hein, c'est mon père qui est arrivé dans la cabane. C'est parce que ma mère m'a dit que je n'ai pas parlé de ça. Et puis, ma mère m'a dit, Nini, il y a tous les hommes là, mourir, ça, ils savent. Et puis, elle m'a dit, je ne pas faire comme cela, que Flora était arrivée, tout le monde comme ça, dans la situation comme ça. Bon, ça a vraiment fait normal. Et comme si je m'a dit, non. Nous tout qui là comme si nous vivions un sentiment de vengeance, comme si nous parlions dans le pays, dans le pays là, nous sommes jeunes qui ont essayé comme si là, qui ont travaillé pour l'utile pays demain pour la sauver des vies et puis ces vies par lieu pour un retour. Donc ça vraiment fait nous mal. Donc on a que les gens qui ont été en stress et même qui sont amis là, qui ont été en stress, qui ont été en Bon, frère, c'était un monde qui n'a pas de jambes comme si dans le monde. Il était une jeune fille vraiment courageuse. Il est toujours pour courager. Si mon yo, par exemple, si bien examen, pas de blague, toujours dit, ah, mais t'as mis des balles bêtes, non, bagaille, ça au travail. Pas plus, c'est même pas de jambes qu'on gagne. Quand la personne, il n'a pas gardé vraiment que ça. Choqué presque toute l'école là parce qu'il reconnaît Flora. Flora n'a jamais en ensemble avec moi. C'est une jeune fille qui est très gentille et très affectueuse. Il va prendre l'étape subi menace et comme partage sa vie. Non. Il va prendre pas de débat ça même. Merci. Pas comme ça. C'est fini. Alors, bonsoir. On a dit merci parce que donc, on a choisi de voir la télévision avec la GTA. Donc on connaît déjà, c'est avec la situation qui passait l'une dans l'étudiant ici là, nous sommes venus de façon à ce que nous sommes capables de gagner quelques mots dans la bouche en responsable. Merci du fait que nous avons une idée de l'étudiant ça. Bon, merci. Nous remercions nous tous pour ce que nous sympathisons avec nous dans le moment ça. En fait, que peut-être que pour la mort, c'est presque même j'en avais nous matin, hein, que nous prenons nouvelle là dans Radio Caraïbes. Que étudiant l'a défendu, mais comment santé? C'est que c'est vendredi matin que nous avons un secrétaire ici là, que un étudiant
voyez un message pour lui dire il paraît que un parent qui dit étudiant parent en parlant de Marlene Flora Nélissan. Le que moi personnellement lui relais moi dit que ou sûr parce que tellement gain rumeur me dit confirmer vraiment que étudiant pas rentré la caillou le que lui relais étudiant bon me dit en attendant ma femme. C'est quelques minutes après madame Léondas qui c'est coordonnatrice de stage lui relais moi lui dit oui c'est confirmé que étudiant Marlene Flora Nélissan pas rentré le ça nous dit ben on nous rentre en contact avec le responsable de stage parce que dans le lieu de stage, l'étudiant est à la fois monitrice et superviseuse de stage. Le Madame Léonidas, qui est coordonnatrice de stage, les monitrices de stage, a confirmé vraiment que Laura, Marlene Laura, Flora Nélissan était vraiment dans le stage jeudi matin. Et superviseuse a tout confirmé qu'elle était dans le stage là et qu'il passait toute journée dans le stage là. Mais c'est peut-être dans la soirée, parce que le stage a terminé à 4 heures, mais il est question que vous êtes 4-5 heures dans la cour l'hôpital là. Mais c'est après, comment il rentre la cali que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Qui est-ce qui est venu chercher nous-mêmes tout nous ne connaissons sauf demain, qui fait non, vendredi dans la matinée, que un proche, un étudiant qui dit est-ce que vous êtes well, il pas rentré la cali. C'est à ce moment-là que nous-mêmes, dans la faculté de sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous confirmer vraiment que l'étudiante Marlene Flora Nélissan n'est pas rentrée la caille. Vu que la situation par rapport à 3 jours de pause, bon, pas pause, 3 jours de fermeture et exigée par la conférence épiscopale, là, nous avons pris une décision pour ne pas fonctionner. Ça fait que la nouvelle là tombée non, vendredi matin, nous avons déjà fermé. Nous avons dit que dans ce cas, vendredi et matin, qui c'est lundi, que nous avons prouvé pour nous, nous avons pris les groupes là, nous avons convoqué les groupes là pour nous donner plus d'informations sur la disparition. Pour ça, nous dit disparition, c'est parce que tout contact que nous avons avec les proches, ni avec les étudiants, nous n'avons pas de gens qui sont relés pour faire exigence de rançon, tout ça. À ce moment-là, nous dit bon, nous ne pouvons pas parler de kidnapping, nous avons parlé d'enlèvement encore de disparition. Alors, l'air que nous tenions pour nous convoquer au matin là, moi-même personnellement qui fais un emploi et qui vivait là très tôt, qui fait doyen faculté, le mois arrivé, m'attend des nouvelles sur Radio Caraïbes parce que depuis là, quand moi, dans le titre, je m'attendais Caraïbes, j'ai déjà dit qu'on va parler sur ça. Et puis l'heure que m'attend des proches qui sont sur Radio A, et puis Caraïbes est venu pour un moment de pause, une minute, enfin de quelques minutes, et c'est à ce moment-là, m'attendais que je confirmais que je joins le corps. Marlene Flora Nélissan. Nous-mêmes, nous rentrons dans la faculté en contact avec les parents pour nous connaître vraiment. Est-ce que vous confirmez, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas encore là. C'est le ça avec un membre de la famille. Vous confirmez pour nous, oui, vous recevez encore là. Et c'est bien Marlene Flora Nélissan. Et nous, regardez, nous-mêmes, gens avec nous, c'est par la presse, Radio Caraïbes, que moi, attendez que Marlene Flora Nélissan est décédée. Avant de position que nous prenons par rapport à la situation ça, qui en fait, nous a été posée, est-ce que Nicolas a toujours continué comme ça devrait être ou bien n'a pas suspension? Non, sur le plan administratif, parce que faculté en soi ou encore université a une position, mais position c'est après rencontre que nous avons gagné demain si Dieu veut avec tous les doyens que faculté a positionné. Maintenant, sur le plan administratif, il y a une décision immédiatement que nous prenons, parce que nous avons déjà prévoir que nous n'avons pas stoppé le stage pour nous donner plus d'informations par rapport à l'enlèvement pour nous connaître qui fait que passé. Alors, nous profiter maintenant là, étant donné que les étudiants étaient déjà là, parce que comment nous fonctionner dans la faculté de sciences infirmières, l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous avons autant de cours et autant de stages. Nous, ça veut dire nous alterner à la fois études et stages. Là, étudiant deuxième année, c'était dans la période de stage. Première session finie, là, il y a un mois de stage. C'est un stage qui a été fait, c'est-à-dire pas l'école là vraiment. Mais nous en contact, c'est nous venons nous en contact avec un cadre, monitrice de stage qui, même là, il n'y a pas l'école là, mais là, ça veut dire qu'il a toujours fonctionné l'école. Parce que c'est une période normale, physiquement, il n'y a pas là, mais il y a différents lieux de stage. Yo. Oui, nous sommes en contact avec les étudiants, et ça fait que nous avons rappelé, nous avons convoqué pour venir la matinée pour nous comprendre. Qui ça fait quelque imprudence que j'ai fait pour nous faire ramener à l'autre, corriger tout ça qui mérite corriger.
Mais malheureusement, là où tu es venu, nouvelle a été tombée déjà que Marlene décédée. À ce moment-là, nous t'es obligé bon changer objectif réunion là. Ouais, tout ça que nous t'es planifié déjà. D'abord, nous t'es eu un temps de un moment de prière pour nous partager sympathie avec eux par rapport à tout ça, parce que ça qui vient de vraiment choquer nous toute la faculté, parce que vraiment étudiants nous qu'on a agressé, mais nous pas combien des cas de meurtre. Même j'en pense avec presque nous tous, chaque jour qui a pas agressé, peut-être par dans la rue, son situation que nous tous avons vécu, une situation assez difficile. Mais les que situation ça vient présenter devant nous, nous obligés de prendre décision d'abord. Une décision que nous prenons, c'est stopper stage là pour ce maintenant et aussi stopper études là. C'est-à-dire là, c'est pas que souvent là demain on va venir étudiant, on va venir étudiant parce que nous avons ensemble d'activités que nous avons réalisées pendant ce maintenant. Peut-être que après que nous avons partagé plein d'activités, ensemble d'activités que nous avons réalisées pendant ce maintenant. Mais c'est pas le mode de fonctionnement normal habituel, c'est-à-dire cours et stages. Non, ça c'est juste des moments de traitement, nous avons veillé de prière que nous avons pour nous organiser, que toute planification ensemble d'activités que dès qu'on a ensemble avec étudiants qui proches Marlene, que nous formons un comité pour semaine ça, nous tout un ensemble d'activités que pour nous réaliser. Dis-moi, est-ce que c'est l'école qui a programmé stage pour étudiants? Si oui, est-ce que le certificat que Marlene était présent dans le stage, c'est-à-dire que l'information a bien qu'il est fait pour l'école, dans le cadre après, qu'il était dans le stage et puis après que la famille de parents n'a pas été. Ok, j'aimerais vous donner ma part sur Mme Leonidas, qui est responsable de stage, qui a répondu sur la planification de stage. Je dis que je vais reprendre encore même information que ça me dit dans le commencement. Je dis que le vous un message pour moi vendredi matin, je dis que étudiant qui sont dans le stage qui ne rentre pas la caille. Je dis que secrétaire, alors confirmez vraiment que ce n'est pas une rumeur que vous étudiant qui ne rentre pas. Quelques minutes plus tard, je dis que Mme Leonidas, qui est coordonnatrice de stage, il me dit oui, il confirme ça. Il se parle avec monitrice de stage et superviseuse de stage qui confirme oui, Marlene était présent juste à l'hôpital là, c'est-à-dire jeudi. C'est-à-dire soit dans feuille de présence, on va pouvoir présent pour lui normalement. Et après stage là, aux environs de 4-5 heures, les monitrices sont allés. Ils voient que Marlene était là encore sur la cour l'hôpital là, c'est-à-dire que l'hypote peut rentrer la caille. Mais pour ça, il y a encore la planification de stage. Madame Leonidas, c'est coordonnatrice de stage. Il a expliqué la planification qui fait de stage, comment nous planifions le stage. Nous, la faculté de sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Notre-Dame, c'est un programme qui dure 4 ans. Donc, pendant 4 ans, étudiants ont un cours, ils ont des techniques qu'ils apprennent à faire dans la salle de démonstration. Parce que les infirmières devant un malade, on sait de bail les faire, c'est apprendre et apprendre faire. Donc pour l'apprendre faire, pour le capable faire, il faut qu'il y ait un stage avec malade pour le cap faire, ça nous relie à acquisition. Donc c'est comme ça que étudiant ça en deuxième année, il y a gagné 3 mois de stage qui planifié. Donc qu'on y a c'est quand qu'on doit être dans tes deals, c'est il y a une période pour, quand vous avez un mois d'avril la cour, et puis moi, mais c'est stage. Donc c'est ça qui est arrivé. Donc c'est pour répondre à l'objectif ministère de la Santé publique, direction de formation exigée, ou pas qu'à diplômer infirmière si vous n'avez pas fait stage. Donc effectivement, pratique ça, c'est 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h à 4h. Donc à 4h, normalement, stage fini, monitrice nan ak superviseuse nan retourné, mais avant l'aller, il était remarqué que Marlene était à l'hôpital là, il peut pas aller. Donc c'est ça que m'a dit. Ça que nous gagne comme information. Comme information. Qui l'hôpital? La paix. Et pourquoi a comment moral étudiant? Moral tout le monde en bas. Tout le monde en bas parce que tout le monde triste. Moi-même, c'était élève depuis première, deuxième année. C'est moi qui apprends une série de choses. Donc, c'est tout le monde qui est triste, c'est tout le monde qui est choqué parce que moi-même, sincèrement, jusqu'à matin, je m'attendais à ce que ma poêle qui a venu, qui a dit c'était une blague, mon téléphone était ceci.
même sincèrement, je ne pense pas que c'est une nouvelle ça va prendre. Et l'homme prend une nouvelle là, je ne pense pas que je ne pas faire un accident tellement déchoqué. Vous voulez que vous contact avec la famille, comment ça y est? Oui, je dois parler avec la famille le matin. Donc, je vais essayer de rester en contact avec eux. Pour nous, qui gens, qui planification, oui, qui par l'école, non? De façon à nous peut-être concilier les deux. Et puis, c'est ça. Mais nous pouvons récupérer les cadavres là, mais nous pouvons récupérer les cadavres. Bon, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons récupérer les cadavres là, c'est plutôt par eux. Parce que matin, on a monté parler directement avec une belle seule qui a vu dans le caravelle. Sans l'été, dis-moi que fait à peine que eux-mêmes. Je te vois quoi, même j'avais nous peut-être une photo, que j'ai monté dans le téléphone. Il te dit que c'est à peine que vous dans le monde et nos petits frères et sœurs pour confirmer vraiment, bon, reconfirmer que c'est bien Marlene Florent Médicin. Parce que yo même personnellement, et ça fait monter Dieu, moi ben on t'a pour aller et puis il est venu pour nous planifier ensemble comment que nous fait ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes obligé d'entrer à l'ambassade? Mais vous devez vous mettre à l'ambassade. Oui, oui. Comment vous êtes? Et bien, tant d'ailleurs, qu'on s'en va partir d'un moment.